un téléphérique. Enfin, il n'y a pas de neige. En même temps, on est au mois de mai, à Clichy-la-Garenne. Je sais pas où j'avais la tête. Bonjour à tous. Derrière moi, un téléphérique urbain un peu spécial. Il sert à évacuer les déblais issus des terrassements en vue de la construction de l'immeuble Black. Le maître d'ouvrage Chitalios a attribué le marché à Vinci Construction Terrassement en tant que mandataire. Vinci a proposé une offre globale au sein de laquelle intervient également Benedetti Guelpa pour la partie démolition et désamiantage. Suivez-moi. Alors Citalios, aménageur de la ZAC du Bagdanien, réalise le chantier pour la mairie de Clichy. Quand on a présenté au maire de Clichy les méthodologies de terrassement, on lui a expliqué qu'il y avait 250 000 tonnes de terre à évacuer en 7 mois et que ça représentait à peu près 80 camions aller-retour. On est très vite arrivé à la solution fluviale, sauf qu'il nous restait encore 400 mètres à faire entre le chantier et le fleuve. Petit à petit, on est arrivé à cette solution de téléphérique à matériaux qui nous permet, avec juste 4 pylônes et des câbles et des bennes, de transporter nos terres depuis le chantier jusqu'aux berges stationnées en bord de Seine. Donc les bennes, c'est des bennes qui ont été développées pour ce chantier spécifiquement. Leur format, c'est 5 mètres de long, 3 mètres de large et 4 mètres de haut. Qui peuvent transporter chacune 17 tonnes de charge utile. Effectivement, c'est une solution qui coûte un petit peu plus cher qu'une solution classique camion. Pour autant, c'est clairement une solution qui apporte plein d'avantages. Une circulation plus fluide avec 10 000 camions en moins dans le quartier, moins de nuisances sonores et 35% d'émissions de CO2 en moins. Nous avons réalisé une première phase de terrassement pour justement positionner le téléphérique. Au niveau du P1, on a fait une première phase de 15 000 tonnes de matériaux. Puis la deuxième phase, c'est la grosse partie qui va donc être transportée avec le téléphérique. Et une troisième phase viendra en définitive pour permettre de sortir les produits qui se trouvent dessous la zone du téléphérique. L'inauguration du téléphérique est prévue le 17 juin avec une mise en production dès le lendemain. Mais quelques travaux restent à faire. Ce qui reste à faire, c'est déjà la préparation. Ça passe par donc, le montage des plateformes de chargement et puis toute la partie, je dirais, estacade qui se trouve au niveau de la Seine avec le fonçage des pieux, la mise en place des portiques de déchargement et puis bien sûr les essais puisqu'on est sur un projet innovateur. Quand j'ai appris ma mutation sur Paris pour les grands travaux du Grand Paris et qu'on m'a dit que effectivement, ça allait me changer un petit peu. C'était de me dire que les transports, au lieu de les faire avec des tombereaux comme tu as l'habitude, ou des scraps ou des semis, bah, tu le feras avec un téléphérique. C'était pas le premier avis, mais c'est vrai que ça m'a un petit peu surpris. Mais j'en suis fier.